Ah, et là, nous avons renforcé les défenses de Vendôme, comme nous l'a demandé Ysgramor. Et j'ai du mal à me remettre de son apparition. Le premier héros des Nordiques, en personne. Waouh! C'est plus puissant que Dishop d'Hydromel. Voilà pourquoi nous devons rompre nos relations avec l'Empire et le Talmor. Comme du temps d'Ulfric, on n'est pas assez nombreux. Attends, attends, Aïla. Il y a un petit problème. Où est Bran? Il a été envoyé dans le passé de bord de ciel, à la recherche d'une relique importante. Importante pour qui? Et pendant ce temps, nous n'avons pas de Jarl à Vendôme. Il revient quand? Azilis, l'enchanteresse, attend son retour, à l'entrée d'une cascade. Ces histoires de magie me dépassent. Il revient quand? Personne ne le sait. Voilà bien le problème. Les Talmor et les Impériaux ont demandé la réunion de tous les Jarls au monastère des Grisbarbes pour élire le nouveau Jarl de Vendôme. Nous n'accepterons pas. Bran reviendra. Il n'est pas mort. Il est toujours le Jarl de Vendôme. J'ai fait parler l'un des mages, avant de lui passer ma lame en travers de la gorge. Il a vu Lysanor, le chef des mercenaires, le bras droit du Jarl Korir, accompagné d'une jeune femme. Ils ont traversé la cour et ils sont descendus par une trappe, tout au bout de cette galerie. C'est ici. Où sont-elles? Où a-t-elle emmené Anna? Un labyrinthe sous l'Académie des Mages, et c'est là où elle a entraîné Anna. Soyons prudents. Les mercenaires de Lysanor gardent sûrement l'endroit. C'est bien ce que je pensais. Tout est prêt, Anna. Je t'ai déjà expliqué pourquoi tu étais ma prisonnière. Ce nécromancien a besoin de ton sang pour m'ouvrir un portail qui mène à la grotte où se terre Innis, le neveu du baron Sarvaric de la Nouvelle-Autroche, que les parjures prennent pour Faolan, leur héros revenu du monde des morts. Oui, j'ai besoin de ton sang. Lysanor, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin d'Innis, mais pas pour le ramener au baron Sarvaric, pour d'autres raisons. Pourquoi moi? Il a vécu un certain temps chez vous, à Markat. Pourquoi toi? Parce qu'une partie de son fluide coule en toi. En moi?
Ergin, le nécromancien, sait lire dans les esprits. Il sait que tu as couché avec lui, sans qu'Ederne, ton mari, le sache. C'est vrai, il était tout le temps à la taverne de Markat. Oui, c'est arrivé un soir. Ederne était absent. Je me sentais seul. Voilà pourquoi le nécromancien a besoin de ton sang. Inis et toi, vous vous êtes emmêlés comme deux serpents dans une fosse. Ederne vous le fera payer. Ederne le Breton, ton mari, il n'est pas très loin. Oui, il a réussi à trouver le labyrinthe. Mes hommes l'ont tué dans une des salles. Tu ne réponds pas? Faites vite, Lysanor. J'ai utilisé un sort de paralysie. Elle ne peut pas vous parler, mais elle a toute sa conscience. Son sang ne doit pas être vicié par la terreur. Elle ne doit rien voir. Regarde-moi, Anna. N'aie pas peur. Tu vas rejoindre Eterne. Vendôme s'agite. Aïla la chasseresse a pris le commandement des sombrages de Vendôme. Donc elle monte 8 ans, capitaine. Nous devons réunir d'urgence l'assemblée des Jarls et élire un Jarl pour Vendôme. Les impériaux soutiennent la proposition du Talmor. Qu'est devenu Bran, le Jarl de Vendôme? Il voyage dans le passé de bord de ciel, m'a-t-on dit. Grâce au pouvoir d'une enchanteresse. S'il doit revenir, d'après nos espions, il reviendra par la cascade du rocher d'eau lointaine, près de Markat. Je vais grouper des hommes à l'entrée de la cascade. Où est l'enchanteresse? On dit qu'elle monte la garde devant cette cascade. Elle attend son retour. Ce Bran le Nordique est un spécialiste du voyage dans le temps. Peut-être bien. C'est vrai qu'à une époque, les Grisbarbes l'ont envoyé un peu partout, et même loin dans le futur. Il est toujours revenu. Nous serons là pour l'accueillir. Que fait Bran, si loin en arrière? Il est arrivé à bord de ciel au commencement de la guerre civile. Difficile pour lui. Il a une mémoire. Il se souvient de tout. Et personne ne le reconnaît. Rien n'a encore commencé. J'ai perdu le contact. Plus de vision. Mais je sais qu'il est vivant. Il doit faire vite. Avec la relique, on pourra soigner Inis en détruisant l'esprit de Paolan et le ramener à son oncle, le baron Sarvaric, en Nouvelle-Autroche. C'est la mission qu'il m'a confiée, à moi, à Zilis, l'enchanteresse de son château. Et il n'est pas question d'échouer. Parfois, Bran, je me demande si tu n'es pas fou. Je ne parle pas de tes délires quand tu me dis que tu es le Jarl de Vendôme ou que tu as adopté un enfant avec Aella qui deviendra le loup blanc, la terreur de bord de ciel, mais de ta façon de voyager sur les routes. Quand je t'ai rencontré, tu portais des haillons, le guerrier en haillons.
Où est l'armure de fer que je t'ai donnée quand tu as décidé d'aller parler au fantôme de mon père? Tu n'as aucune protection à part ton épée. Le premier ours te mettra en lambeaux. Oriane, aussitôt dit, aussitôt fait. Bran, je te préfère ainsi. Ne risque pas ta vie. Il est encore loin, le campement de Tarfreuse. Plus très loin, Bran. Un dragon. Regarde-le. Bran, où tu vas? Mon premier dragon, si on peut dire. Comment as-tu fait ça? Tu as absorbé l'âme du dragon. C'est trop long à expliquer. Un jour prochain, peut-être. Suis le chemin entre les arbres. Une fois là-bas, tu restes en retrait. J'irai lui parler. Comme tu veux. Nécromancien, elle est bien servie. Ne bouge plus. Reste là, Bran. Je vais aller lui parler. Tu m'as amené Bran le Nordique. Je vais planter mes griffes dans son crâne et lire le futur de bord de ciel. Dis-lui de s'approcher. Tu es comme ma mère pour moi. Tu m'as élevé avec le clan après la mort de mon père. En tuant ton père, j'ai placé l'un de nos dieux protecteurs sur toi. Tu ne m'as jamais dit où était la relique de Faolan. Que veux-tu en faire? Rien. Que tu me prouves ta confiance et que je suis une parjure comme les autres. Dans la grotte des sorcières de Glenmoril. Mais je ne te conseille pas d'approcher. Maintenant, fais venir ton prisonnier. Tu lui as laissé une arme. Sois maudite. Occupe-toi du nécromancien. Les a eus. Et
tu connais l'emplacement de la relique. Pourquoi tant d'intérêt pour la relique de Paolan? Je te l'ai déjà dit, pour soigner un jeune garçon. Et où se trouve-t-il? Très loin d'ici. Tu ne pourrais pas le rejoindre. Tu as parlé au fantôme de mon père, et je viens d'obtenir l'emplacement de la relique. J'ai rempli ma part du contrat. Tu as vengé la mort de ton père. J'ai l'impression d'être libre tout à coup. Que vas-tu faire? Les impériaux et les Talmor nous recherchent. Tu as tué un garde à Blancherive, et les trois impériaux à Fort d'Hiver, qui voulaient me conduire dans leur cachot. On devrait rester ensemble. Je t'accompagne à Glenmoril. Après tout, tu peux m'être utile, et j'aime bien ta compagnie. Tu me saoules pas avec des paroles inutiles, et tu sais utiliser tes sorts de combat. Et puis tu as de beaux yeux. Ils cachent un mystère, un secret. Les tiens aussi, Bran. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens. Il va falloir que je m'habitue à tes énigmes. En route pour Glenmoril. Bran, un cheval. Prends-le. Attends. Regarde ça. Bord de ciel, tel qu'il m'est apparu pour la première fois, sa splendeur, une terre de légende où les dieux parlent encore aux hommes, le fer, le sang, les feux de camp dans la nuit, et le lever du soleil sur les pics de neige, revivre ça, éternellement. Tu marmonnes dans ton coin? Cette terre est dans mon sang, avec mon passé, mon futur. Et les deux forment un cercle, selon les anciennes croyances de nos chamans. Bran le Nordique, ce nom te va bien. N'oublions pas la relique. La route est encore longue jusqu'à Glenmoril. Nous passerons la nuit dans une auberge. Comme tu voudras. Prends le cheval. Je te retrouverai à Fort Ivar. Tu connais la route? Oui, je connais la route. Rendez-vous à Fort Ivar. Vous ne ressemblez pas à un pèlerin. Je pense que pourquoi vous s'embêter à visiter Fort Ivar? Je t'ai parlé, toi? J'ai peu de talent, mais il s'adresse. Salut, Oriane. Tu arrives à temps. Ce Nordique voulait que je boive avec lui. Commande de l'hydromel et prenons une chambre pour la nuit. Toutes mes excuses. Je vous croyais seul. Vendôme est en flammes,
Il faut sauver Vendôme. Que peut faire Aella contre le Jarl Korir et les mercenaires de Lysanor? Elle m'attend, et je suis si loin. Aella est aussi à Blancherive. L'une souffre en m'attendant, et l'autre se livre au jeu de la chasse. Bran, ce n'est qu'un mauvais rêve. Vendôme n'est pas en flamme, et nous devons retrouver la relique. C'est bien ce que tu veux. Ah oui, la relique. Le temps presse, Oriane. Fais attention. La relique est sûrement gardée par des nécromanciens et des harfreuses. Bienvenue pour la fête du fer et du sang. Talos nous regarde. D'or, la relique. Tu as eu ce que tu voulais. Oui, j'ai la relique de Paolan. Tu devrais la détruire. La détruire ici ne servirait à rien. Je dois partir. Là où je vais, tu ne peux pas m'accompagner. Là où tu vas, d'où viens-tu, Bran? Du futur de bord de ciel. Je suis Jarl de Vendôme. Le futur, Jarl de Vendôme, voilà que tu recommences. Et quelle route vas-tu prendre? La cascade, juste après Rivebois. Difficile à croire. Pourtant, tu sembles bien connaître bord de ciel pour un nouveau venu. Je n'ai pas eu à te montrer le chemin de la grotte de Glenmoril. Tu peux m'accompagner jusqu'à la cascade si tu veux. Te voir disparaître, j'ai quand même un doute, mais j'aimerais bien voir ça. Ce n'est pas un jeu, Oriane. Ma vie est menacée, et je dois sauver ce garçon, Inis, le neveu du baron Sarvaric. L'enchanteresse Azilis garde la cascade par où je dois revenir avec la relique. Et Aella, je la connais. Si je ne reviens pas, elle en mourra. Son sang a été purifié après la mort du vieux Kodlak, le chef des compagnons. Si nous mourons, elle et moi, nous nous retrouverons à Sovngarde.
J'en vis un si grand amour. Mais Aïla est à Blancherive. Tu viens juste de la rencontrer. Je sais qu'elle est aussi à Blancherive. Accompagne-moi jusqu'à la cascade. La cascade est en bas de cette route. Oui, tu connais très bien Bord de Ciel. J'ai arpenté ce territoire avec Aïla et les armées d'Ulfric. Il y a eu aussi des moments de calme, le bonheur tout simple, avec Aretino dans notre maison de Blancherive. C'était avant qu'il grandisse et devienne le loup blanc, avant la mort d'Ulfric et de Farkas. Mais Ulfric est toujours là, dans son palais de Vendôme. Et Farkas doit être dans la salle des compagnons de Blancherive, avec Aïla. D'où tu viens, Bran? Ou bien ce que tu m'as dit est vrai, ou alors un des draps t'a embrouillé la cervelle. Je suis mage. J'ai étudié à l'Académie de Fort-d'Hiver, mais je n'ai pas le pouvoir de sonder les esprits. Tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu regardes? Mes souvenirs. Fort Dragon est trop beau, mais tous les enfants là-bas sont méchants. C'est une belle vision, mais c'est aussi comme un fer de lance dans la poitrine. Allons à la cascade.